Yo, aujourd'hui on se retrouve pour la première du Le Papier, où je vais vous présenter un PC en carton, parce que je pense que le carton, bah, c'est du papier. Et donc, je vous dis dans un mois, voilà, ça y est, j'ai réussi. Alors, on va commencer par préparer la carte mère en y plaçant le processeur en cartouche et la RAM. Et c'est là que tout bascule, car on va placer le tout dans une boîte en carton, qui est d'ailleurs très mal faite, je suis désolé. Puis on continue par les cartes qui sont la carte graphique et la carte son. On branche ensuite les nappes ATA. Et avec ces derniers, on branche le disque dur. Mais avant, je dois placer un support pour que ça soit plus propre. Support que vous pouvez voir ici. Et c'est là que je peux placer le disque dur, de 13 Go d'ailleurs. Enfin, plaçons le plus gros, c'est-à-dire l'alimentation. Et c'est presque fini. Mais avant, je dois brancher le bouton d'allumage que vous voyez pas. Et voilà, c'est fini. Si vous voulez un vrai PC, vous devez aussi placer le lecteur de disque, etc. Bref, pour monter un processeur d'aujourd'hui, place ceci dans le socket dans le bon sens évidemment, et surtout en ne touchant pas les connecteurs dorés. Puis on place le ventilateur sur le processeur. Aujourd'hui aussi, on est passé des nappes IDE au câble SATA, et des câbles SATA au PCI Express. Et pour terminer, on a depuis longtemps un câble 4 ou 8 pins à brancher sur la carte mère, et j'ai fini. Et maintenant, voici le résultat. Attention les oreilles.